Salut, moi c'est Fafar Achefa, et l'astrophoto, je ne comprends pas. Hein? Tu veux faire de l'astrophoto? Ok, mais tu as besoin d'astropoto. Ou tu finiras dans le poteau. Moi, c'est tout Smokio. Je suis pas vieux, je suis pas nouveau. Mais j'ai commencé un jour, tout le monde le doit. Geler les doigts. Les planètes, les galaxies, les nébuleuses, du grand champ à la focale monstrueuse, de la pose longue à la pose de la chance. Choisir et trouver ton essence. Il faut patienter, il faut rien acheter, bien se renseigner. Yo, yo, pour s'envoler dans les étoiles. Il faut patienter, il faut rien acheter. J'ai plein de questions. Comment faire la mise en station sans voir l'étoile polaire? Est-ce qu'un alignement par la dérive suffit pour aligner sur la rotation de la Terre? En face de chez moi, une énorme pollution lumineuse à cause des lampadaires. Dis-moi, que faut-il faire? J'ai voulu bien faire en nettoyant ma lunette, mais ma bombe a envoyé autre chose que de l'air. Au traitement, mes flats ne suppriment pas mes défauts d'optique. Devant mon ordi ce matin, c'est la panique. Hé, hey, Astropoto, aide-moi, c'est la galère. Par la dérive, c'est génial et même plus précis que la mise en station à la lune au viseur polaire plié en deux avec mon 1m80. Je te jure que c'est pas le meilleur conseil que je pourrais te donner de faire comme moi sur ce point pour l'appel. Malheureusement, c'est pas l'Amérique qui était en avant-quartier pour des raisons qui sont je sais mais... Pas la peine de chercher de ce côté-là. Par contre, j'ai plein d'astropoto qui jouent en pleine région parisienne comme toi. Et ils sont très bien en mettant leur tube à l'ombre de toute sens de la mienne, en tendant des draps, des serviettes ou une belle-mère en besoin pour qu'elle serve à quelque chose. Et ensuite, bien sûr, un filtre anti-PL, j'en filtre du HC. En vrai, le top anti-PL, c'est d'avoir une cave astro refroidie qui coûte un bras avec un ou à filtrer ses filtres. Mais ça marche pas, c'est qu'ils sont pas bons, tu dois pas avoir exactement la même mise au point tout au long de ta session. Parce que moi, attends, moi j'avais pas fait tellement chute. Mais clairement, c'est ça, t'es pas. Attends, pas yo, mise au point, stop. Tu m'as dit qu'il fallait y aller doucement, pas à pas. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. C'est bien de faire de la zik, mais j'ai toujours pas réglé mon problème d'optique.